Plus qu'un symbole, ce qu'on recherche, c'est la visibilité. C'est un projet basé sur de la visibilité. C'est une expérience qu'il faut vivre si vous aimez et souffrir un peu. L'histoire est simple, un prototype T3 et 6 femmes sur le Dakar. On a donc Nouria, qui est notre coordinatrice, qui fait à peu près tout. Yona et Jessica, nos super mécaniciennes. Je suis Margot, la copilote. Merce, c'est notre pilote. Et Anna, qui est la responsable de l'équipe. Le Dakar, c'est le plus grand événement de sport mécanique. Et je crois que c'est une occasion unique de donner de la visibilité à notre projet. D'avoir une équipe 100% féminine qui participe de la mécanicienne au pilote. J'aime les défis. Ça n'était pas facile. Hein. Il fallait trouver quelqu'un qui avait déjà fait le Dakar, des mécaniciens de niveau compétition. Il fallait trouver une structure professionnelle. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à trouver des noms, on a commencé à assembler les pièces du puzzle. On fait face à des problèmes tous les jours. C'est une course vraiment très longue et notre objectif, c'est de terminer. Mais bon, c'est difficile. Et aujourd'hui, on est vraiment super fatigué. C'est comme un cirque, c'est tellement cool. Avec Margot, on s'entend très bien. Et au fur et à mesure que les journées se passent, on s'entend et on se comprend mieux. Je suis fier de la façon dont ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup de pression, il y a des moments tendus. On doit bien gérer l'alimentation. Et honnêtement, je souffre. Manger et dormir, c'est vraiment très important. Si on a de la visibilité, on deviendra une référence. Et devenir une référence, ça voudra dire qu'il y aura des femmes mécaniciennes, pilotes, copilotes, coordinatrices, journalistes. C'est ce qu'on recherche. Si on ne parle que du pilote et non de la structure, on perd le côté symbolique de ce projet. Se pierde un poco el guion o el significado de este proyecto.